pas la petite fée, quelle surprise vas-tu nous montrer? Tadam! Oh les enfants, c'est tous les matins pareil. Chaque matin c'est la même chose. On doit se dépêcher, on arrive toujours en retard. Allez, vite, on monte dans la voiture. Martine, Peppa, allons-y, on y va, on arrive en retard à l'école. Vite. Oh Martine, c'est toujours pareil avec ton père. Il est toujours pressé. Tu vas voir la tête qu'il va faire quand on va arriver chez Paola. Non, Paola maintenant, elle va très vite le matin pour se préparer. Rappelle-toi, presque la petite fée lui a fait de la magie. Allez, maman, les bébés, on y va. À bientôt. Bien, les enfants. Ah, on sonne à la porte. Ça doit être votre grand-mère Chloé qui vous emmène aujourd'hui à la crèche. C'est elle qui vous dépose à la fête des bébés. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Oh, écoute, je suis fatiguée, épuisée, je n'en peux plus de ce rythme. Oh là là. Oh, mais ne m'en parle pas, mais regarde-moi comme tu es belle. 9 mois de grossesse, on ne voit même pas ton ventre. Moi, quand j'étais enceinte de toi, ma chérie, oh, mon ventre arrivait jusqu'au mur là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui les emmène à la crèche, c'est ça aujourd'hui, oui? Oh, et ma chérie, est-ce que tu pourrais arrêter de manger des glaces au petit déjeuner tout de même? Oh oui, je sais maman, mais j'ai tellement faim d'être enceinte, ça me donne faim. Je n'arrête pas de manger, je n'en peux plus de manger non plus. Oh, je sais ma chérie, mais enfin, tu as faim, tu pourrais manger un fruit, voyons, quelque chose de plus sain. Quel exemple es-tu en train de donner à Pin et Pone? Oui maman, moi aussi je veux une glace. Oui, une glace, une... Oh, moi aussi je veux une glace maman, moi aussi. Oh, très bien les enfants, je laisse ma glace, je vais manger une pomme, je vois. Bon, les enfants, c'est grand-mère Chloé qui vous dépose à la crèche, vous écoutez bien. La maîtresse et grand-mère Chloé. Oui, oui. Non, mon nounouille. Non, 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 tu ne peux pas y aller, toi. Toi, tu restes à la maison avec maman. Bien, soyez sage, d'accord? Bisous, maman. Bisous, ma chérie. Oh, allez, on y va. Enfin, tranquille. Allez, viens, allons nous reposer tous les deux. Voilà. Ah, merci beaucoup Laura d'être venue m'aider aujourd'hui. Je vais avoir plein de bébés dont je vais devoir m'occuper. Oh, je ne saurais plus donner de la tête. Merci de ton aide, vraiment. Il manque encore Pin et Pone. Oui, je sais, ils vont bientôt arriver, je pense. Et moi, j'adore les bébés. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout un problème, au contraire. Allez, Issa, je vais te changer la couche. Non, 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 je veux jouer, moi. Je veux jouer. Oui, c'est ça. Isa, viens avec moi, on va jouer. Allez. Enfin, Ellie, ne dérange pas Isa, on doit lui changer la couche. Va plutôt avec Julie dans la piscine à boules si tu veux jouer. Oh oui, allez on y va, Julie, tu viens avec moi? On saute à la piscine. Oui, j'arrive. Voilà, nous sommes arrivés mes chéris. Oh, quel froid il fait aujourd'hui. Bonjour les filles. Oh, tu as de l'aide aujourd'hui à ce que je vois. Et oui, avec ton bébé. Eh oui, vous avez raison, ma grand-mère Chloé. Laura est venue m'aider et j'avais beaucoup de bébés dont je devais m'occuper aujourd'hui, mais elle adore les enfants. Je suis sûre qu'elle va bien s'entendre avec Pin et Pone. Oh oui, oui, une nouvelle, oui. Bien les enfants, soyez bien sages. Non, mamie, pas tant de bisous. Oh, je suis votre grand-mère et je vous donne tous les bisous que je veux. Bon, bien maîtresse, alors je reviendrai les rechercher tout à l'heure. Bonne journée, à bientôt. Bien, alors Pin Pone, est-ce que vous êtes content d'avoir deux frères ou deux sœurs ou deux frères et sœurs? Non, non, non. Moi, je ne veux pas partager mes jouets, j'ai pas envie, c'est à moi. Oh, moi, je suis contente, pourvu que ce soit deux filles. Oh, mais on ne sait pas, ça pourrait être deux garçons. Dans tous les cas, ce sera merveilleux d'avoir des frères et sœurs. Mais votre maman va être très occupée, très fatiguée. Oh oui, très occupée, elle s'occupe déjà plus du tout de nous. Mais si, voyons, elle s'occupe de vous. Mais vous allez devoir l'aider un petit peu, tous les jours, dans les tâches quotidiennes, tu sais. Non, moi je suis tout petit. Je suis tout petit, madrèche. Je veux pas de frères et de sœurs, surtout que je suis sûre que ce sont deux filles. Et les filles, elles m'embêtent tout le temps. Bien, arrête un petit peu, Pone, s'il te plaît. Oh, quel cinéma. Allez, allez jouer dans la piscine à boules. Oui, la piscine à boules. Youhou, c'est parti. Bien, alors, je vous écoute pour la chanson. A, B, C, D, E, F, G, H. Oui, bravo, vous connaissez toute la chanson. Oh, mais la grand-mère Chloé arrive déjà? Oh, mais ce n'est pas l'heure de récupérer les enfants pourtant. Ah, on n'est pas bien ici, mon chien d'amour. Oh, oh là là. Oh, mais ça sonne à la porte. Oh, coucou ma chérie, je suis de retour. Ah, bonjour maman. Écoute, j'étais en train de me reposer, donc tout va bien là, je... Oh,
Oula, maman, je crois que les bébés sont en train d'arriver. Oui, oui. Quoi? Les bébés? Non, 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 non. Les bébés? Oh là là. Vas-y, toi, le chien. Va préparer les vêtements. Maman, tu es en train de demander à un chien de préparer les vêtements de qui? Des bébés? N'importe quoi, voyons. Oh, mais c'est que je suis stressée. Les bébés arrivent. Qu'est-ce que je dois faire? Oh là 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 là. Les bébés arrivent. Maman, appelle une ambulance, s'il te plaît. Moi, je m'allonge. Appelle une ambulance. Oui, je vais appeler une ambulance. Oh là là. Allô? Allô? Oh mais ma chérie, y a pas de sonorité, on n'entend rien dans ton téléphone là. Oh là là. Mais maman, tu as pris un croissant, tu n'as pas pris de téléphone, tu as pris un croissant. Oh là là, maman, voyons. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Oh, un croissant? Oh oui, c'est vrai qu'il sentait bon ce téléphone. Bon alors, tiens, t'as qu'à le manger toi. Alors mon portable. Ah, voilà, mon portable. Je dois appeler quel numéro ma chérie? Quel numéro? Tu dois appeler le 15, maman, le 15. Oh oui, oui, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui. Vite. Ma petite fille va voir deux bébés. Deux bébés sont sur le point d'arriver. Venez, s'il vous plaît. Vite. Oh là là, deux bébés. Oh. Ambulance, nous sommes là. Vite, ma petite fille, elle va voir ses deux bébés. Oh, des petits bébés d'amour. Tu vas bien, Maria? Pardon, je t'ai fait tomber. Excuse-moi, tu vas bien, ma chérie? Oh oui, mais vite, emmenez-moi à l'hôpital. Aïe, aïe, aïe. Vite, l'hôpital. Voilà, nous arrivons. Allez, hop, une, deux. Oh, mince, j'oublie la chaise roulante. Vite. Voilà, hop, allez, on y va. Ne vous inquiétez pas, tout est prêt à l'hôpital pour que vous accouchiez. Il n'y a pas de souci, on y va. Allez, maman, appelle le papa, appelle mon mari. Oh là là. Bien, grand-mère Chloé, n'oubliez pas d'appeler le papa et les enfants, d'accord? De les tous les prévenir. Oh, j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas. Oh, je vais complètement perdre la tête, je crois. Mais non, ne vous inquiétez pas. Vous allez très bien vous en sortir. Bien, alors on va commencer par le papa des petits bébés, Mario. Mario, allons-y. Oh, décroche, voyons, Mario, allez. Bon, alors il faut à tout prix que je finisse ce compte rendu pour aujourd'hui. Oh là là, j'ai du travail par-dessus la tête. Oh, qu'est-ce qui m'appelle? Non, je ne peux pas décrocher. Oh, ça insiste. Oh, bon. Allô, oui, qui est là? Je suis pressée, j'ai beaucoup de travail. Oh, enfin, ça ne va pas la tête de ne pas décrocher le téléphone comme ça. Je me fiche de tes réunions, moi. Ta femme va accoucher, vite. Va à l'hôpital, Mario. Allez, tu vas voir tes petits bébés. Oh, je vais avoir mes bébés. Encore plus de bébés. Encore des bébés. Oui, des bébés. Vite. Oui, alors écoute, voilà. Je vais aller récupérer les bébés Pinépoil à la crèche. Et toi, tu récupères Martine, d'accord? Oui, d'accord. Ok, grand-mère. Bien, mon grand. Allez, on se voit tout à l'heure. Hein, oh là là, tout à l'heure. Allez, viens, mon toutou. On y va en courant. Youhou. Oh bonjour, vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est incroyable, c'est complètement fou. Mais enfin, grand-mère Chloé, calmez-vous, vous êtes très agitée, tu dis. Tu ne sais pas ce qui va se passer. On va avoir plein de bébés, encore plus de bébés, c'est incroyable. Oh, quel bonheur, c'est superbe, quelle belle nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais du coup, il faut que je prenne Pin et Pan pour les emmener à l'hôpital. Oui. Bien sûr, je comprends, grand-mère Chloé. Oh, quel bonheur, je suis très contente. Allez, Pin-Pon, vous pouvez y aller, vos frères et sœurs ou vos frères ou vos sœurs vont arriver, allez. Oh non. Bon, allez, je vous préviendrai quand tout sera terminé. Hein. Vous avez entendu ça, les enfants? Pin et Pon vont être grands frères et grandes sœurs. C'est superbe comme nouvelle, j'espère que tout va très bien se passer. Docteur Bidon, ouh, Docteur Bidon, ça y est, Maria va voir ses bébés, ils arrivent tout de suite là. Oh, bonjour Maria, est-ce que tu es nerveuse? Ça va, pas trop stressée? Oh, nerveuse, non, mais qu'est-ce que j'ai mal, docteur. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer, allons-y. Bien, effectivement, ils sont sur le point d'arriver. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Oh oui, ça va aller très très vite, ne vous inquiétez pas. Oh, très bien, docteur. Est-ce que vous savez si ce sont des filles, des garçons, une fille, un garçon? Vous pouvez me le dire? Non, ils ne sont pas positionnés pour que je le voie. Mais on va le savoir d'une minute à l'autre, ils vont arriver, hein. Oh là là, quel stress. Oh, est-ce que les bébés vont bien? Est-ce que tout va bien? Oh oui, tout se passe très très bien, monsieur Mario. Ne vous inquiétez pas. Oh, bon, je vais aller voir si vous voulez, ça vous rassurera peut-être, d'accord? Je reviens. Oh, enfin, je suis arrivée. Alors, les bébés sont nés, mon grand. Dis-moi que oui. Non, pas encore. Enfin, je ne sais pas. Ils vont arriver, je ne sais plus. Oh là 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 là. Grand-mère, papa n'arrête pas de tourner en rond. Oh oui, c'est vrai, monsieur Mario. Vous allez avoir le tournis. Oh, ils arrivent, je crois, je les entends. Oh, ils arrivent, mes bébés. Oh, voilà, ils sont là, vos bébés.
Apparemment, tout s'est très bien passé et les bébés sont là. Mais vous avez tout préparé comme une surprise, dites-moi. Eh oui, dans cet hôpital, c'est ainsi, on aime faire les choses bien. Alors, vous pouvez ouvrir pour justement découvrir. Papa, est-ce que je peux l'ouvrir, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie, vas-y, ouvre, va connaître tes frères et sœurs ou tes sœurs. Merci. Alors, est-ce que je vais avoir un frère ou une sœur? Oh là là, quelle excitation! Frère, sœur. Alors, voyons voir. Faites voir. Waouh, c'est un petit garçon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bien, alors l'autre, on va ouvrir l'autre. Allez, c'est pas... Est-ce que je peux l'ouvrir, Martine, s'il te plaît? Oh, oui, vas-y, c'est vrai qu'on dirait un Kinder Surprise. Alors, oh, faites-moi voir. Oh, vous n'allez pas le croire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une fille? Et non, c'est exactement le même. Waouh. Oh, regardez, c'est le même. Ah, coucou, là, 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 là. Maman? Non, je ne suis pas ta maman, je suis Peppa, une amie de ta sœur. Oh, Peppa? Oh là là, tu as vu papa? Il parle déjà, c'est incroyable. Oh, bonjour les enfants. Oh, c'est moi, je suis votre papa. Papa. Oh oui, papa. Bien. Oh les enfants, vous êtes vraiment trop mignons. Non. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu? Moi? Oh, je suis votre grand-mère. Bon, il va falloir leur trouver un prénom à ces enfants. Oh, tiens, mais les enfants qui nous regardent, mettez-nous en commentaire comment allons-nous les appeler. Comme les nouveaux bébés sont beaux. Bon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, les enfants. Bien, les enfants, un énorme bisou à Inès, qui a 8 ans et demi et qui habite à Clermont-Ferrand. Un gros bisou également à Anna, 5 ans. Mais aussi à Amy, 7 ans. Mila et Aurore, 8 ans. Jana, 7 ans. Kaylee, 7 ans. Et un énorme bisou pour Mathilde, qui a 4 ans et demi. Mouah.